أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مفرق شيخ، dans quelques instants, on va commencer la deuxième partie en langue française. On a déjà fait la première partie, on a parlé de cinq choses. Aujourd'hui, on va parler concernant les sept groupes. Sept groupes, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas le regarder et Allah ne veut pas parler avec eux. Sept groupes, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas parler avec eux. Et parmi, dans sept groupes, les gens qui traitent mal leurs parents. Et les six groupes, on va parler aujourd'hui. On va parler le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième, cinquième, jusqu'à septième groupe. Il faut écouter bien ce message. C'est très important dans la vie. Et très important après la mort. Et très important surtout le dernier jour. Le jour de la rétribution, c'est très, très, très important. Et dans quelques instants et dans quelques minutes, on va commencer le dars. On va commencer le leçon, le dars, incha'Allah ta'ala. On va commencer dans quelques instants. Et avant, je vais vous répondre, parce que j'ai déjà vu beaucoup de messages, j'ai vu beaucoup de salam, et je dis wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je réponds de vos salams et je dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que le voix, alhamdulillah, voix c'est bien et l'image c'est bien. Je pense que l'image c'est très bien, c'est magnifique. Et je pense que la voix et image, mashallah, alhamdulillah, je pense que c'est très bien. Et maintenant, on va commencer dans une minute ou deux minutes, on va commencer, inshallah ta'ala, le thème. Et je partage la vidéo, comme ça on va commencer. Je partage la vidéo parce qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de pages. J'ai 8 ou 10 pages dans le Facebook et c'est ça que je partage. Après, on va commencer, inshallah ta'ala, on va commencer. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذر، خلق آدم من تراب فجعله بشرا، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، وأتى موسى تسع آيات فما ادكر فرعون وما رعوى، ونجى الخليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جرى. أحمد الله على نعمه التي لا تزال تطرأ، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقدوتنا خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث في أم القرى، وعلى صاحبه في الغار أبي بكر الصديق بلا مرى، وعلى الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب الذي بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى، وعلى جميع الآل والأصحاب الذين انتشر فضلهم في الورى. فيا أيها المستمعون في فيسبوك ويوتيوب هلم جرى. أما بعد يا إخواني، تعالوا لننظر مع الشيخ جبريل بما جرى. أما بعد، مفرر إسخ لعنج الله سبحانه وتعالى سينيور دموند لعنج الله سبحانه وتعالى لعنج الله سبحانه وتعالى سينيور دموند. Aujourd'hui, on va parler concernant sept groupes et on demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre sept groupes. On demande Allah subhanahu wa ta'ala pour vous protéger et nous protéger contre ces sept groupes parce que c'est très dangereux. Sept groupes très 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 dangereux. On va commencer le premier groupe. Après, on va entrer le deuxième groupe. Et je suis content parce que avant-hier, on a fait Dars en français. Et moi, j'ai déjà vu ici 200 personnes, 150, 200. Après, quand on finit, subhanallah, j'ai déjà regardé la vidéo en français, c'est déjà dépassé 11 000. Subhanallah. Et j'ai déjà vu bizarre. Je dis comment ça? Quand je parle en direct avec vous, en langue française, j'ai déjà vu afficher 200. J'ai déjà vu ici afficher 200. Mais quand on finit, après, j'ai déjà vu c'est combien de personnes qui ont vu la vidéo. J'ai déjà vu 11 000 plus. Après, autre vidéo, 30 000. Autre vidéo, 50 000 vues. J'ai déjà vu bizarre. Il y a d'autres vidéos, j'ai déjà vu 72 000 vues. Et autres vidéos, j'ai déjà vu 75 000 vues. Et j'ai dit, subhanallah, 75 000 vues, 11 000 vues et 50 000 vues. Regarde ça. Et j'ai dit, subhanallah. Et moi, je pense que quand on parle en langue française, pas des gens qui veulent écouter. Je pense que parce qu'on est habitué pour parler langue comorienne. Et je parle avec les Comoriens, avec les Maorés, avec les Anjouanais, avec les Moëlais. Je parlais avec ça. Et moi, je pense que quand on parlait en français, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai déjà recevoir beaucoup de messages. Les amis africains, les amis maliens, les amis sénégalais, les amis ivoiriens. Beaucoup, beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages. Ils sont contents, sont contents. Beaucoup, beaucoup. Allez, mashallah, ils sont contents. Ils ont dit, mashallah, continuez, cher.
Parce qu'on est content, parce que tu as commencé, tu fais les soins en français. Je viens de recevoir un message des Malgaches, beaucoup de gens de Madagascar, beaucoup, beaucoup de Malgaches sont envoyés, beaucoup de messages, ils sont dit, Mashallah, cher, on est content parce que on ne comprend pas la langue comorie, on ne comprend pas, mais on a besoin de suivre, on a besoin d'écouter, mais tu parles la langue comorie, on ne connaît pas. C'est ça, si tu mélanges un jour langue comorie et un jour en français, on est content. Yanni, j'ai déjà recevoir beaucoup, beaucoup. Wallah, j'ai déjà recevoir beaucoup de messages. Et quand j'avais la vidéo, c'est dépensé 11 000 plus langue française. Je dis, subhanallah, c'est ça, c'est ça, c'est la force de Dieu qui donne. C'est Allah subhanallah qui donne la force. C'est Allah subhanallah qui donne la force. C'est Allah subhanallah. Et même les Arabes, même beaucoup des Arabes, son camarade là-bas en France, à Paris, à Marseille, beaucoup des Arabes maintenant sont commencés à envoyer messages, sont dit, Mashallah, cheikh, on est content, parce que tout le temps on regarde, mais on ne comprend pas, on ne comprend pas. Mais maintenant, quand tu commences un message en français, on est très, très content. J'ai déjà recevoir même message à la mosquée, même beaucoup de mosquées à Paris, les camarades, il y a des Arabes, il y a des Français, il y a des Africains, sont beaucoup heureux. Mashallah, je suis très, très content de recevoir de ce message. Et après, je pense que c'est blague. Mais quand je ouvre la vidéo et je regarde, j'ai vu, c'est déjà dépensé 11 000 plus. Je dis, oui, c'est vrai ça. Je dis, mashallah, c'est vrai ça. C'est ça, on a besoin de parler en français. Même la langue française, on ne connaît pas 100%. Mais alhamdoulilah, les gens sont contents. Et les gens sont comprennent bien le message. Sont comprennent bien le message. Mashallah, on a fait effort. Alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a déjà fait effort pour expliquer un peu comme ça. Alhamdoulilah, mais pas besoin de 100%. 100%, il va venir après. Pour parler langue en français, 100%, il va venir après. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est très, très important pour comprendre le message. Et les gens sont contents parce qu'ils sont comprennent le message. Et même, il y a des enfants comoriens qui sont nés en France. Il y a des enfants comoriens qui sont nés en France. Mashallah, maintenant, sont très contents parce qu'il faut attendre, il faut écouter avec leur mère, avec leur père, avec leurs parents. Il faut écouter parce qu'il y a des enfants qui ne comprennent pas la langue comorienne. Mais ils ont besoin tout le temps, ils sont dire, oh maman, moi je ne comprends pas. Mais j'ai écouté ça. Il y a des enfants, même à la maison, sont dire, oh maman, moi je ne comprends pas la langue comorienne bien. Moi je ne comprends pas comment. Dis à Fundi pour expliquer un peu en français. Dis à Fundi. On dit pour expliquer bien français. Maintenant, alhamdoulilah, on a déjà fait de ça, on a déjà facilité. C'est ça, le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On va commencer, mes frères et sœurs, on va commencer le premier groupe. Le premier groupe, Allah subhanahu wa ta'ala, on demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger avec nos enfants, avec nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala, on demande Allah subhanahu wa ta'ala, on fait doua, on demande Allah de nous protéger contre les 7 groupes parce que c'est très dangereux, c'est très 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 mauvais. Si tu repens, tu fais le repenti et tu fais le tawba avant la mort, alhamdoulilah, félicitations. Si tu écoutes ce message et tu fais le repenti, tu fais le repenti, tu fais le tawba et tu demandes excuse, tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, Allah c'est ghafour rahim. Allah c'est plus miséricordieux. Allah c'est le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te pardonner. Mais si tu continues comme ça, si tu continues comme ça jusqu'à la fin et tu meurs avant de laisser, avant d'abandonner cette groupe, ça veut dire que ce sera très difficile. Dans la tombe, tu vas serrer là-bas beaucoup de punitions. Beaucoup de châtiments dans la tombe, il y a beaucoup de châtiments et beaucoup de punitions et l'enfer. Et après là-bas, tu vas aller devant Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement sera très difficile devant Allah et devant le balance sera très très difficile. Et la place que tu vas recevoir, le livre, il y a une main gauche ou main droite, ce sera très 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 difficile pour toi parce que tu négliges. Tu négliges et pas besoin de négliger. Ça, c'est très important. Ces messages, on a besoin d'écouter ces messages avec un respect, avec l'iman et la foi. On a besoin de changer. Si tu écoutes, peut-être tu as fait quelque chose dans ce groupe, on a besoin de changer. On va commencer le premier groupe. Le premier groupe, on va commencer. Sab'atun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah wa la yuzakihim. Walahum adhabun alim.
Sept groupes vont gagner beaucoup de châtiments le jour de Qiyama. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas même pour leur regarder. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas même regarder. Ne veut pas. Même parler avec eux, Allah ne veut pas. Subhanallah. Subhanallah al-azim. La hawla wa ta'ala. Même Allah, le misère, Allah, le Allah, Ghafour al-Rahim, ne veut pas parler avec eux. Le jour de Qiyama, Allah ne veut pas parler avec eux. Et Allah ne veut pas regarder, yani, le regarder. Ne veut pas. Parce que ils sont faits dans des actes, c'est très grave, et ne fait pas de pardonner, et ne fait pas de repentir, et ne demande pas pardon devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et premier groupe, maniazni bizaujatil jar. C'est ça le premier groupe. Si tu es parmi, alhamdulillah, il faut remercier Allah. Pas besoin de fâcher, pas besoin de m'insulter. Si tu es parmi dans cette groupe, ma soeur, mon frère, mon camarade, mon père, ma mère, si tu es parmi dans cette groupe, pas besoin de m'insulter, pas besoin de fâcher, pas besoin d'énerver. Seulement, tu seras content. Tu seras content. Tu seras heureux. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé quelqu'un pour te parler. Allah il a envoyé quelqu'un pour parler avec toi. Comme ça, tu vas faire repentir. Ça veut dire que ça, c'est chance pour toi. Ça, c'est chance. Pas besoin de fâcher. Tu dis, oh, cher, moi, j'ai déjà fait ça avant. Non, c'est bon. Allah, il t'aime beaucoup. Allah, il t'aime. Parce que si Allah, il t'aime, il a envoyé quelqu'un. Comme ça, il va parler avec toi. Comme ça, tu vas, ah, c'est vrai, moi, il faut que je laisse. Il faut que j'abandonne, c'est ça. Allah, il t'aime. Si Allah ne t'aime pas, Allah n'a envoyé pas quelqu'un pour toi, pour parler avec toi. Allah va te laisser comme ça, tu vas continuer pour faire mal jusqu'à la mort. Et comme ça, tu vas aller à l'enfer. Comme ça, tu vas aller à l'enfer. Parce que si Allah ne t'aime pas, il n'a envoyé pas quelqu'un. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour toi. Il va te laisser comme ça. Et tu penses, alhamdulillah, tu penses toi c'est bien. Tu penses la vie c'est bien. Et tu penses toi c'est bon. Tu penses pas de problème. Mais Allah, il te laisse comme ça. Et tu continues pour faire le mal. Tu continues jusqu'à la mort. Et comme ça, le dernier jour, le jour de la résurrection, tu vas aller à l'enfer. Mais si Allah t'aime, il a envoyé quelqu'un pour toi. C'est ça le hadith. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Ah, si Allah il aime bon, il aime les bonnes choses pour toi, il va envoyer quelqu'un pour t'enseigner, pour t'expliquer avec toi. Ça c'est haram, ça c'est halal, laisse ça, fais ça, c'est ça. Parce que c'est signe que Allah t'aime. C'est ça, je dis mes frères et sœurs. Les gens qui ne comprennent pas la langue française, ils vont attendre demain. Parce que demain c'est épisode en langue comorienne. Il y a des gens qui sont dit, moi je ne comprends pas la langue française. Il faut attendre demain, parce que demain il y a l'épisode en langue comorienne. Et il faut regarder l'épisode de hier, parce que l'épisode de hier c'est langue comorienne. Et demain il y a une vidéo, c'est langue comorienne demain. Mais aujourd'hui c'est langue française, désolé. Enfin, le premier groupe, Maniazni Zawjatul Jar. Maniazni bi Zawjatul Jar. C'est ça le premier groupe. On a dit combien? Sept groupes. Concentrez bien avec moi. Sept groupes. On a dit combien? Sept groupes. J'ai besoin de voir pour vous en y participer, pour dire maintenant deuxième groupe. Maintenant troisième groupe, c'est ça. J'ai besoin de voir le message et le M et le message vous avez écrit. Maintenant fondu, premier groupe. Maintenant deuxième groupe, c'est ça. J'ai besoin, vous avez resté bien avec moi, avec concentration, comme ça. Et maintenant on va commencer le premier groupe, c'est ça. Le premier groupe. D'accord? Le premier groupe. Mauvaise. Premier groupe, maniazni bizaujatil jar. C'est les gens qui font le zina, l'adultère, avec leur voisin. C'est ça le premier groupe. Astaghfirullah al-azim. Si tu as fait ça, il faut demander pardon maintenant. Si tu as fait ça avant, il faut demander pardon devant Allah. Il faut dire Allah, pardonnez-moi et tu laisses. Il faut demander pardon, Allah il va te pardonner. Il faut demander miséricorde. Il faut demander devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander pardon devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier groupe, on a dit les gens qui fait le zina, qui fait adultère avec les voisins, avec le mari de voisin.
ou avec la femme, deux voisins, c'est ça le premier groupe. Si tu as fait zina, adultère, avec la femme, deux voisins, ça c'est très mauvais. Très très mauvais. Parce que le zina avec le voisin, le châtiment sera 10 fois. Sera 10 fois. Le zina c'est haram. Adultère c'est haram. Si tu fais zina, adultère, tu prends quelques. Tu fais le zina, tu fais le haram, c'est péché. Mais pour faire le zina, adultère, avec la femme des voisins ou avec le mari des voisins, ça c'est très grave. C'est très très grave. C'est très. Ça veut dire le péché sera double. Sera 10 fois. 10 fois la punition. C'est 10 fois le châtiment. Et tu vas voir maintenant, tu vas voir beaucoup de gens sont faits comme ça. Tu vas voir quelqu'un, il habite même bâtiment. Tu vas voir, c'est bizarre. Maintenant, beaucoup de gens habitent dans même bâtiment. Et tu vas voir une femme, elle connaît bien que ça, c'est le mari des voisins. Il connaît bien, c'est le mari des voisins. Ou tu vas voir un garçon, il les connaît bien que c'est la femme de voisin, même bâtiment, en bas, c'est voisin, en haut de bâtiment, c'est voisin, tous les bâtiments, c'est voisin, même bâtiment de 40 étages, tous ces voisins, même tous ces voisins. Et les maisons à côté de bâtiments, tous ces voisins. Et les maisons devant toi, les bâtiments devant toi, tous ces voisins. Et les maisons derrière de toi, tous ces voisins. Ça veut dire, les voisins, c'est même bâtiment. Et bâtiment derrière, et bâtiment à droite, et bâtiment gauche, et bâtiment droite. Tu as vu ça? Ça veut dire le quartier. Le quartier, c'est ses voisins. Même Ali ibn Abi Talib, radhiallahu anhu, c'est Sahaba. Les gens sont demandés, oh Ali, combien de personnes qu'on va compter, ses voisins. Ali il a dit, si tu parlais plus le voix fort, tu parlais le voix fort, toutes les personnes qui vont écouter la voix, c'est voisins. Toutes les personnes. Si tu dis, oh, tout le monde qui veut écouter la voix, c'est voisins. Même il y a des gens qui sont dit, le voisin, c'est tu vas compter 40 maisons. Tu vas compter 40 maisons. Tu vas compter 40 maisons droite, 40 maisons gauche, 40 maisons devant, 40 maisons derrière. Ça veut dire tous les quartiers, c'est voisins. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh, oui, tous les quartiers, c'est voisins. Cher, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. 40 maisons droite et 40 maisons gauche. Et 40 maisons devant et 40 maisons derrière. Ce sont les voisins de louer un peu. Voisins de louer un peu. Ça veut dire, yani bil jamb, yani sahib al jamb, wal jar al qurub, wal jar al junub. Ça veut dire al jar al junub, les voisins un peu loin, c'est ça. 40 maisons droite et 40 maisons gauche et 40 maisons devant et 40 maisons derrière. Wal jar al qurub, mais Les voisins approchent, c'est votre bâtiment, et le bâtiment derrière, et le bâtiment droite, et le bâtiment gauche, et le bâtiment Yannideva. Ça veut dire, c'est les 4 maisons qui entourent de ta maison. C'est les 4 maisons. C'est les 4 maisons qui entourent, les 4 maisons qui entourent de ta maison. C'est ça, les voisins approchent. C'est les 4 bâtiments, droite, gauche, devant, derrière de toi. Même les 4 bâtiments, ça, les 4 maisons qui entourent dans votre bâtiment, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à notre mère Aïcha, Ya Aïcha, Iza tabakhti al-maraqa, fa'akthiri al-ma'a. فَأَكْثِرِ الْمَاءَ وَعْطِ الْجِيرَانِ. Ça fait prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh Aïcha, quand tu fais le sauce, tu sais le sauce, quand tu fais le sauce pour manger avec une sauce de viande,
sauce de viande et sauce de poulet, sauce. Quand tu fais le sauce, il faut ajouter de l'eau. Comme ça, tu vas donner les voisins un peu. Comme ça, tu vas donner les voisins. Tu vas donner un peu les voisins. Si tu en as sadaqa pour donner les gens, il faut commencer le voisin. Si tu donnes sadaqa, il faut donner un peu le voisin. N'oubliez pas les voisins. Même les voisins, c'est méchant. Pas de problème. Même les voisins t'insultent, pas de problème. Même les voisins, c'est méchant. Même les voisins, c'est très méchant. Même les voisins, c'est très mauvais. Même les voisins, c'est pas bien. Mais il faut, tu le traites bien et tu parles bien. Si tu as la possibilité, tu vas lui aider. Tu vas lui aider le voisin. C'est ça le sunnah. Ça veut dire le premier groupe, les gens qui sont faits adultères, les gens qui font le zina avec la femme des voisins ou le mari des voisins. Et maintenant, ça veut dire que c'est le quartier. Si tu habites à Félix Piat, ça veut dire le quartier Félix Piat, tous ses voisins. Ah oui, ses voisins de louer un peu. Parce que le voisin, il y a deux catégories. Il y a le voisin approche, c'est les quatre maisons. Il y a le voisin de louer un peu. Ou al-jari al-qurb, ou al-jari al-junub, c'est ça. Ça veut dire, parce que j'ai déjà... Tu vas voir, bizarre maintenant, tu vas voir des femmes et les connaître bien que ça c'est le mari de cousin. C'est le mari de voisin. C'est pas cousin, c'est voisin. C'est le mari de voisin. Il va connaître bien. C'est le mari de voisin qui habite à le 10e étage ou le 6e étage. Après, il va leur draguer. C'est quoi ça? Tu vas draguer le mari de voisin. Ça c'est la honte. C'est la honte. Et toi, c'est un garçon. Et tu connais bien que c'est la femme de voisin. C'est la femme de voisin. Et tu connais très bien. Mais toi, tu vas partir et tu vas parler avec elle pour draguer la femme de voisin. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est très, très mauvaise. Parce que si tu connais pas, oui, on va dire, toi, c'est Shaitan qui est entré dans ta tête. On va dire, c'est Shaitan qui est entré dans ta tête. Et après, tu veux faire le zina de haram comme ça. Mais le voisin, et toi, tu connais très bien que c'est le voisin. Tu connais très bien que c'est le voisin. Pas de respect, quoi. Pourquoi il n'y a pas de respect? Il faut respecter les voisins. Il faut respecter bien les voisins. Et nous sommes d'accord, il faut rester bien les voisins parce que tu vas voir déjà comme ça, quand il a vu le mari de voisin, il va faire n'importe quoi, il va faire des gestes comme ça pour tirer. Non, tu vas tirer qui? Ça c'est la honte, c'est péché, grand péché. Yani il va bien n'importe quoi, il va faire les gestes pour tirer le mari de voisin ou pour tirer la femme de voisin. Non. Non, il faut respecter les voisins. Il faut respecter bien les voisins. Ça veut dire le premier groupe, les gens qui font le zina, adultère avec les familles, avec la femme de voisin ou le mari de voisin. Ça, le premier pour groupe. Le deuxième groupe. Maintenant, on va entrer dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, mes frères et sœurs, wasani. الفرقة الثانية من يؤذي الجار حتى يلعنه. Le deuxième groupe. Maintenant, on va parler le deuxième groupe. Le deuxième groupe. من يؤذي الجار حتى يلعنه. C'est le deuxième groupe. Les gens qui sont traités mal, les voisins, jusqu'à les voisins, sont maudits les voisins. Les gens. Le premier groupe. Le deuxième groupe, maintenant, on a déjà commencé. Le deuxième, maintenant, on a fini le premier. Le premier, c'est le zina avec le voisin. Maintenant, le deuxième. D'accord? Maintenant, le deuxième. Le deuxième, al-mu'udhil jar hatta yal'anou. C'est les gens qui sont traités mal, les voisins, jusqu'à les voisins ne dorment pas bien à cause de lui. Jusqu'à les voisins ne mangent pas bien, même... Il y a des manger à la maison, même il y a des enfants, mais le voisin ne reste pas bien et ne dort pas bien à cause de problèmes de voisins. Les voisins qui drangent les voisins, les voisins qui insultent les voisins, les personnes qui insultent les voisins et qui traitent mal les voisins et qui font mal les voisins et qui troublent les voisins, c'est le deuxième groupe que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas même parler avec eux. Allah n'aime pas pour parler avec eux, subhanallah.
Et tu vas voir, c'est grave. Hein? Tu vas voir, c'est grave. Hein? Subhanallah, tu vas voir maintenant. Tu vas voir même maison, c'est à face, la porte avec porte. Et tu vas voir, c'est grave. Il ne veut pas te regarder, ne veut pas parler avec toi. Quand il ferme la porte, quand il te voit, et toi, tu ouvres la porte, il va fâcher contre toi. C'est quoi ça? Pourquoi? Pourquoi la haine contre les voisins? Pourquoi la haine? Pourquoi la haine contre le voisin? Pourquoi? Tu vas voir déjà, même le voisin, il mange. Même le voisin, il parle avec les enfants. Même si l'assiette, ça fait trouble un peu, tu vas écouter, il va frapper la porte. Tout, 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 oh, tranquille, oh, tranquille. Ah, et moi j'ai déjà fait quoi? Seulement, on est discute avec mes enfants. On discute avec les enfants, avec les gens. Et quand tu vas voir des voisins méchants, méchants. Il y a des voisins très, très méchants. Il y a des voisins méchants. N'aiment pas même écouter les voisins, même manger ou parler. Ou, je ne sais pas, subhanallah, c'est bizarre. Même quand il y a des voisins, quand ils te voient, il est fâché. Quand ils te voient, il est fâché. S'il connaîtrait toi dans le censeur, il va rester. Il va entrer dans la maison parce qu'il ne veut pas pour te voir. Il ne veut pas pour te voir. Il ne veut pas pour parler avec toi. Quand il écoute ce qui est dans l'ascenseur, c'est lui. Oh, il va retourner à la maison. Il va retourner dans la chambre. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah. Hein? C'est bizarre, hein? Astaghfirullah al-Azim, il va retourner chez lui, il va tourner, il n'aime pas pour parler avec quelqu'un, yani même pour te regarder, c'est bizarre, yani quand il a vu, et tu amènes manger, tu amènes quelque chose, il va fâcher, il est fâché, parce qu'il a vu dans l'ascenseur, peut-être tu amènes manger, tu amènes viande, tu amènes bon de choses, il va fâcher, il va contre, après il va arrêter l'ascenseur dans le 7e étage, ou le 6e étage, et toi tu restes là-bas en bas, c'est la haine. C'est mauvais, tu vas avoir des voisins comme ça. Yann, il les connaît bien que tu as besoin d'aller au travail. Il les connaît bien que tu es en bas avec beaucoup de choses, avec beaucoup de cartons, avec beaucoup de choses, de viande, des choses. Mais lui, il va arrêter l'ascenseur chez lui. Il va arrêter seulement. Starfall, il va arrêter l'ascenseur chez lui. Tu as vu les mauvais? Il va arrêter les mauvaises cœurs. Mauvaises cœurs, il va arrêter l'ascenseur chez lui. Yann, il n'y a pas besoin. Et lui, il va ouvrir comme ça l'ascenseur, comme ça, yani, tu restes là-bas. Comme ça, tu restes là-bas, tu entends. Ah, qu'est-ce qui passe? C'est quoi ça? Yani, tu vas attendre 10 minutes. Tu vas attendre 20 minutes. Yani, c'est qui là? Et quand tu regardes, c'est même place, c'est même étage. Parce qu'il a arrêté. C'est ça le mauvais. On a dit que le deuxième groupe, les gens qui sont traitent mal les voisins. Et les gens qui sont insultés les voisins. Et les gens qui sont fait mal pour les voisins. À cause de ça, le temps du prophète, dans l'époque de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme. Dans l'époque de notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme. Et il a fait beaucoup de choses. Elle fait la prière, alhamdoulilah, elle lit beaucoup de Coran, elle fait beaucoup de choses. Mais le problème, les sahaba, ses compagnons de prophète, sont dire, oh, Rasulallah, il y a une femme, masha'Allah, sawam, elle a fait beaucoup de déjeuners. Il y a Ramadan, masha'Allah, il a fait beaucoup de déjeuners, même sunna, il a jeûné beaucoup. Sawama, Kawama, elle fait beaucoup de prières, même la nuit. Elle fait beaucoup de prières, la nuit, même sunna, même fardi, même la prière obligatoire, la prière sunna, tout il fait. Mais le problème, cette femme, walakinaha tuzi jiranaha, mais cette femme, le problème, il traite mal le voisin, il insulte le voisin. Il regarde mal pour les voisins. Il a embêté les voisins. C'est ça leur problème. Mais toute chose, c'est bien. Elle lit le Coran. Elle a fait la prière. Elle fait tout. Mais elle traite mal le voisin. Elle regarde mal le voisin. Elle insulte le voisin. Et le prophète sallam, il a dit, Allah khayra fiha. Hiya min ahli nar. Le prophète, il a dit, toutes les bonnes actions qu'elle a faites,
rien. Toutes les bonnes actions qu'il a fait, il a fait la prière, il a fait le hajj, il a lu le Coran, même la nuit il a fait la prière, même il a fait de sadaqa, tout ça c'est rien, elle va aller à l'enfer, subhanallah, elle va aller à l'enfer, c'est ça le prophète l'a dit. Alla khayra fiha, c'est hadith, rawahu al-hakim, alla khayra fiha, il n'y a pas de, c'est fini. Toutes les bonnes actions qu'il a fait, toutes les bonnes choses qu'il a fait, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Destination, elle va aller à l'enfer. Et la prière, non, non. Tout la prière qu'il a fait, le jour de Qiyamah, c'est fini ça. Allez, va dire à l'enfer, parce que tu déranges le voisin, et tu fais mal pour le voisin, et tu insultes le voisin, et tu traites mal le voisin, et tu regardes mal le voisin. Pourquoi les jalousies comme ça? Pourquoi c'est jaloux? Pourquoi tu es jaloux dans de tes voisins? Pourquoi tu es jaloux? Il y a des jaloux et tu regardes mal le voisin et tu regardes mal le voisin et tu parles mal avec le voisin. Pourquoi? C'est ça le deuxième parti et le deuxième groupe, mes frères et sœurs. Maintenant, on va entrer dans le troisième groupe. On n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps et on n'a pas besoin d'élargir beaucoup parce que c'est sept groupes et le temps, c'est un peu. Et le deuxième groupe, on a déjà fini. Maintenant, c'est le troisième groupe. Wa al-farq al-thalith ou al-firqa al-thalitha ou al-majmou'a al-thalitha. Le troisième groupe, maintenant le troisième groupe, 'aqun liwalidayhi hatta yastaghitha. 'Aqun liwalidayhi hatta yastaghitha. Ya Allah, subhanallah. Subhanallah. Troisième groupe, c'est les gens qui traitent mal leurs parents. Ya Allah. Il faut demander pardon devant Allah. Il faut demander pardon avant de la mort. Il faut faire repentir vrai et demander pardon. Comme ça, Allah il va te pardonner. Mais si tu laisses et tu négliges les paroles que je vous dis, et tu négliges les paroles du prophète Mohammed sallam, et tu négliges les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu vois que c'est simple, et tu penses que c'est rien, et tu laisses le repentir, tu laisses le tauba, et tu négliges, sera très difficile. Sera très très difficile devant Dieu. Sera très difficile devant Allah. Troisième groupe, les gens qui traitent mal leurs parents. Traitent mal. Parlez n'importe quoi. N'élève pas la voix. N'élève pas la voix devant ta mère. Il faut la voix de ta mère, c'est plus haut que toi. C'est plus haut de toi. N'élève pas la voix plus de ta mère. Non, c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. N'élève pas la voix devant ta mère, c'est très dangereux. Si tu lèves la voix comme ça, tu parles, c'est très dangereux. Même tu craches devant ta mère, c'est dangereux. Tu sais ça, c'est péché? Même tu craches devant ta mère, non. Si tu as besoin de crache, tu vas aller à côté. Tu laisses ta mère, tu l'es à côté, tu craches là-bas. Mais si tu craches, même tu craches devant ta mère, devant ton père, ça veut dire pas de respect. Pas de respect. Pas de respect. T'as vu? Même tu craches comme ça. Même tu fais crache, non. Même tu as besoin de cracher, non, non, tu vas aller à côté. C'est pas devant ta mère, non. C'est pas devant ta mère, non. Baisse les sons devant ta mère. Baisse les sons, baisse les sons. Baisse les sons au minimum. Baisse les sons au minimum devant ta mère, devant ton père. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais te dire deux, trois choses. Je vais te dire deux, trois choses. Trois choses. Première chose, le hadith du prophète Mohammed sallam, rapporté par Ibn Majah. Hadith du prophète, rapporté par Ibn Majah. C'est livre de Ibn Majah. C'est hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète, il a dit quoi? Écoutez bien, prophète, il a dit quoi? La yuzidu fil umur illa birrul walidain. Ya salam. La yazidu fil umur illa birrul walidain. Ya Allah.
Rien dans ce beau monde, rien dans ce beau monde, rien, rien, plus, pas de choses dans ce beau monde qui va augmenter ta vie, seulement honoreux les parents, honoreux ta mère, honoreux ton père. C'est ça, c'est l'unique chose qui va augmenter ta vie dans ce monde. C'est ce hadith des prophètes. Et comment? Ça, c'est le hadith des prophètes. Si tu fais la prière, beaucoup de prières, ça c'est pour toi. Tu vas gagner le jour de Qiyama, tu vas gagner bon la vie, tu vas gagner le jour de Qiyama au paradis, c'est ça. Si tu partir au Hajj, tu partiras à la Mecque, Madina, ça c'est pour toi ça. Tu vas gagner, alhamdoulilah, des récompenses, de bonnes choses le jour de Qiyama. Si tu fais sadaqa, tu vas gagner au paradis, tu vas gagner beaucoup de choses le jour de Qiyama. Et baraka ici dans le mois. Mais n'augmente pas la vie. N'augmente pas la vie. Même tu fais prière million fois, n'augmente pas la vie. Même tu fais sadaqa million fois, n'augmente pas la vie. Non. L'unique chose qui augmente la vie, c'est honorer les parents. Si tu veux rester dans le monde, si tu veux augmenter ta vie, honorez vos parents. Honorez vos parents. Traitez bien vos parents. Parlez bien avec vos parents. Parlez bien avec respect avec vos parents. Tu sais? Peut-être tu vas demander, oh cher, mais on a lire le Coran. Mais Allah il a dit, إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. Peut-être tu vas dire, oh cher, mais il y a deux versets de Coran. Allah il a dit dans le Coran, yani chaque personne, il y a deux jours fixés. Il n'y a pas de changement. Et tu as dit que Allah il va augmenter la vie par rapport de 40 ans. Tu vas vivre dans le monde 50 ans ou tu vas vivre 60 ans ou par rapport de la vie, tu vas rester 60 ans. Allah il va augmenter 70 ans. Et comment ça? Peut-être tu vas poser cette question. Peut-être tu vas poser cette question. Et tu as besoin de comprendre comment ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. Chaque personne, il a le jour fixé. Il a le jour fixé. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout ça avant. Allah il le connaît. Allah il le connaît bien que toi, tu vas honorer votre parent. Tu vas honorer ta mère. Et tu vas honorer ton père. Il connaît tout ça avant. Et comme ça, il a déjà écrit que toi, il va augmenter la vie parce que tu vas honorer. Tout ça, c'est déjà écrit. Tout ça, c'est déjà écrit. Tout ça. Allah, il a déjà... Tout ça, c'est déjà écrit dans le livre. C'est fini. Allah, il a déjà vu que toi, tu vas honorer ta mère, tu vas honorer ton père, tu vas honorer. Après, il a augmenté tout ça avant de écrire. Avant de écrire. Avant de dire les anges pour écrire quand tu vas mourir. Avant de regarder quand tu vas mourir et quand le date et quand le jour avant, Allah il connaît tout ça. Allah il connaît tout ça. Lui, il va honorer sa mère. Lui, il va honorer le parent. Ah, je augmente. Après, les anges, il écrit. Avant, ça c'est avant. Allah il écrit que toi tu vas honorer les parents. Allah il écrit. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Subhanal Malik al-Qadir. Tu as vu la chance. Toi. Et tu veux mourir aujourd'hui? Ou tu veux que augmenter la vie? Honorer vos parents. Allah! Oh jeune! Tu veux que tu restes 60 ans, 50 ans, 90 ans? Tu veux ça? Et tu as vu ça? Quand tu as vu quelqu'un, beaucoup de gens, tu vas vu beaucoup de hommes vieilles. Tu vas vu un vieil. Et les gens sont dire, ah regardez le vieil. Parce que lui... Il a déjà voir le agrément de son père ou de sa mère, c'est ça. Tu as vu? Pas vu ça? Tu vas voir quelqu'un, il a dit, oh mon Dieu, vieux. Les jeunes vont dire, ah. En langue comorienne, ils vont dire, ah ah. Voilà, on nous a ravisé, ah ah. 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 Son dire comme ça, son dire, ah, 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 ah
Parce que lui, il a fait, il a honoré ce para. C'est ça, il a honoré ce para. Parce que c'est la grimace de son para. C'est la grimace de son para qui a fait Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse lui jusqu'à 90 ans sans ta subhanallah. Vous savez? C'est ça. C'est ça. C'est ça la deuxième chose. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut faire attention. Hmm? Tu as vu? C'est cet exemple comme on a quand on dit Koutoufanya Zaukamrumduhazi. Tu vois ça? Au de chaque Koutoufanya Zaukamrumduhazi. Si tu écoutes ça, c'est exemple comme on dit que toi, tu ne fais pas les choses pour augmenter ta vie parce que tu traites mal ta mère. Parce que tu traites mal ton père. Et toi, tu fais les choses que ce n'est pas bien pour augmenter la vie. Toi, c'est ça. C'est ça l'exemple. Quand tu as dit quelqu'un. Et toi, tu traites mal ta mère. Tu traites mal ton père. Toi, tu ne fais pas choses pour augmenter ta vie. Toi, tu fais des choses pour rabaisser ta vie. Pour rabaisser ta vie. Pour éliminer. Pour éliminer. Tu as vu ça? C'est astaghfirullah lazim atoubilay. C'est ça le deuxième groupe. Le troisième groupe, les gens qui traitent mal leurs parents, il faut faire de repentir. Traitez bien vos parents. Traitez bien vos parents. Traitez bien vos parents. Parlez bien avec eux. Tu sais, mes frères et sœurs, tu sais, petite histoire. Il aide un jeune. C'est un jeune. Il a fait bien pour sa mère. Il achetait tout. Pour sa mère, il achetait tout. Il achetait manger, il achetait tout. Il a fait tout, tous les jours. Il prépare manger, il donne sa mère, il prépare tout ça. Il donne sa mère manger, il donne les vêtements, il donne tout. Et quand il décédait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, « Oh les anges, amenez-le à l'enfer. » Astaghfirullah, subhanallah. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Allah, il a dit, « Oh les anges, amenez-le à l'enfer. »« Jahannam. » Et les anges sont en vie bizarre. Les anges ont dit, c'est quoi? Oh Allah, c'est bizarre. C'est bizarre. Oh Allah, c'est bizarre. Lui, il a traité bien sa mère. Lui, il a fait bien pour sa mère. Tous les jours, on a vu. Il achetait pour sa mère. Il donnait sa mère manger. Il donnait sa mère l'argent. Il donnait sa mère tout. On a vu. Les anges vont dire ça. Les anges vont dire, Ya Allah, c'est bizarre. C'est lui qui traite bien sa mère. C'est lui qui l'a fait bien pour sa mère. Et maintenant, tu as dit qu'on va lui amener à l'enfer. On va lui amener à le Jahannam, à l'enfer. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il va dire, Ana a'lamu ma fil qulub. Yaqul Allah, أنا أعلم ما في القلوب إن الله عليم بذات الصدور إن الله يعلم ما في الصدور إن الله خبير بما تعملون إن الله بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى الفديغ. Oh les anges, moi je sais beaucoup, j'ai déjà vu dans son cœur. J'ai déjà vu dans son cœur lui. Vous déjà vu comme ça? Il donne sa mère manger, il donne sa mère de l'argent. Allah il va dire, mais moi Allah je sais toutes choses dans le cœur. Moi je sais toutes choses qui cachaient dans son cœur. Lui, quand il donne sa mère de l'argent, quand il donne sa mère de manger dans son cœur, il demande Allah pour la prendre. Il demande Allah pour la prendre, sa mère. Tu as vu, astaghfirullah. Il donne sa mère comme ça, mais dans son cœur, il est fatigué de sa mère. Dans son cœur, il est fatigué dans son père. Dans son cœur, il est fatigué de sa mère.
Il est fatigué dans son père et de sa mère. Il donne manger. Il donne de l'argent, mais dans son cœur, non. Dans son cœur, non. Il est fatigué. Pourquoi? Tu es fatigué de sa mère. Pourquoi? Pourquoi tu es fatigué de ça, de ta mère? Pourquoi tu es fatigué de ta mère? Pourquoi? Tu donnes l'argent avec nerveux. Tu donnes l'argent avec nerveux. Et tu donnes l'argent et ton cœur, tu demandes à Allah pour la prendre. Tu demandes à Allah pour la prendre de ta mère. C'est ça. C'est ça le iman. C'est ça le iman. Et tu sais que ta mère, il a fait beaucoup de choses pour toi. Et tu as oublié 9 mois. Tu as oublié 9 mois dans le ventre de ta mère. Et tu as oublié de ça. 9 mois. Tu as oublié 9 mois. Tu es dans le ventre de ta mère. Et tu vas dire, mais fondue, mais chère, ma mère, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait quoi? Même il n'y a pas fait. Et tu oublies le 9 mois. Et tu veux, même ma mère, il n'y a pas fait maison pour moi. Il n'y a pas. Pourquoi? C'est quelle maison? C'est quelle maison? C'est quel argent? Tu as dit, mais il m'a abandonné quand je suis petite. Même tu es petite. Même tu es petite. Même il t'a abandonné. C'est ta mère. Il n'y a pas deux mères dans le monde. C'est ta mère. C'est ta mère. 9 mois. Toi, dans le ventre de ta mère. 9 mois. Tu oublies tout ça. Tu oublies tout ça. 9 mois, et tu es là-bas dans la. Tu es là-bas. Il n'y a pas de dormir. Avec visite, avec écho, avec des problèmes, beaucoup de maladies, tous les jours. Tu sais ça. Avec de vomir, ta mère, comme ça. 9 mois de vomir, 9 mois de problèmes, 9 mois de ça. Et toi, tu traites mal, et tu dis, je n'ai marre, je n'ai marre. Tu dis à ta mère, je n'ai marre, comme ça. Astaghfirullah al-azima wa atubu ilayh. Allah, il va dire, allez, amenez-le à l'enfer. Amenez-le. Les anges vont dire, ya Allah, anta alamul ghuyub. C'est toi qui connais toutes choses qui sont cachées. Mais on a vu comme ça, elle donne sa mère. Mais on pense qu'elle donne seulement. Mais on ne connaît pas que dans son cœur, il est fatigué dans sa mère. On ne connaît pas que dans son cœur, il demande à Allah pour prendre la mère, sa mère. C'est ça les gens. C'est ça les gens. Les jeunes de maintenant, c'est comme ça. Il faut faire repentir. C'est ça, les jeunes de comme ça. Quand il a vu sa mère, il va dire, oh, elle est déjà arrivée, ma mère. Oh là là. Il va me saouler maintenant. Tu as dit ça, tu dis ça. Tu dis ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Quand il a vu sa mère, quand il a vu son père, il est fâché. Il est fâché. Il est nerveux. Il est fâché, il va dire, oh, oh, maman, il est arrivé, oh là là. Ah, il va commencer de demander l'argent, oh là là. Ah, il va commencer de parler de problèmes, oh là là. Astaghfirullah. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis ça. C'est toi. Tu es musulman. Toi, tu dis ça. Tu es fâché de ta mère. Tu es fâché de ta mère. Hein? Et tu dis je n'ai marre à ta mère. Tu dis je n'ai marre. C'est ta mère. Tu dis ça. Tu dis ça à ta mère. Je n'ai marre. C'est toi qui dis ça. Tu dis ta mère, il va te déranger. Tu dis à ma mère, tout le temps, elle demande d'argent. Ta mère. Tu dis à ma mère, elle demande d'argent tout le temps. C'est ta mère, tu dis ça. Ah, ma mère, il va m'insulter. Ta mère, c'est insulte. Ta mère, tu dis ça. Ah, ma mère, elle va tout le temps, elle parle trop. Ma mère, c'est ta mère, tu dis, il parle trop. C'est ta mère, tu dis, il parle trop. C'est ta mère. Ta mère, tu dis, elle parle trop. Tu dis à ta mère, elle parle trop. Ta mère te dérange. Tu dis ça. Toi, tu connais le hadith, le Quds, il a dit quoi? Tu connais le hadith, le Quds, il a dit quoi? Écoute, écoute le hadith, le Quds. Écoutez le hadith al-Quds. Écoutez le hadith al-Quds. Écoutez bien cet hadith al-Quds. Écoutez bien cet hadith al-Quds. Et je te demande aujourd'hui, si ta mère a envie et tu es à côté, allez. Allez, fais bisous ici. Allez, fais bisous dans le visage de ta mère. Allez. Demande pardon. Allez.
prendre la main de ta mère. Si ta mère elle en vit, si ta mère elle en vit, si à côté de toi, allez, allez prendre la main de ta mère. Fais bisou la main de ta mère. Fais bisou la main de ta mère. Allez! Et tu demandes pardon. Tu dis ma mère, pardon. Allez, dis ta mère. Oh ma mère, désolé. Dis ma mère, moi je ne connais pas la valeur. Aujourd'hui, je déjà connais la valeur de maman. Dis ma mère, pardon. Allez, si ta mère est à côté de toi. Aujourd'hui même, c'est à côté de toi. Allez, prendre la main de ta mère. Dis maman, pardon. Dis désolé, maman. Dis je demande pardon. Toutes choses que j'ai déjà fait, maman. Dis maman si je déjà parlais mal de toi, pardon. Dis maman si je déjà fais mal, pardon, maman. Dis à ta mère. Toi, écoutez le hadith al-Quds, il a dit quoi? Écoutez le hadith al-Quds. Allez prendre la main de ton père. Allez prendre la main de ton père. Dis papa, pardon. Dis papa, pardon, papa. Dis oh mon père, pardon, moi je sais pas. Moi je pense que c'est normal. Moi je pense que c'est la vie. Mais je connais pas de ça tout. Aujourd'hui je connais la valeur de maman. Aujourd'hui je connais la valeur de papa. Allez, fais bisous. Mais la main. La main de ton père. Mais c'est pas le pied, parce que le pied c'est shirk. C'est pas le pied. Le pied c'est shirk. Si tu allais là-bas, tu prendrais la tête jusqu'à là-bas, tu fais le soujoud à ta mère. Non, ça c'est le shirk, c'est haram. Pour faire le soujoud à ta mère, non, c'est haram. Pour faire le soujoud à ton père, c'est haram. Pour aller faire le soujoud là-bas dans le pied, non, ça c'est haram. Dans l'islam, non, ça c'est des choses d'Indiens qui ont fait ça. Ça c'est les Indiens qui ont fait ça. Ça c'est les Hindous qui ont fait ça. Pour aller pour faire bisou le pied de maman, non, ça c'est haram dans l'islam. Tu fais bisou, c'est la main, c'est pas le pied. Non, le pied, non. Le soujoud, c'est pour Allah. Le soujoud, c'est pour Allah. Unique, c'est pour Allah, le soujoud. Non. Mais toi, tu prends la main de ta mère. Tu fais bisous. Tu fais bisous ici dans le visage de ta mère. Tu fais bisous ici dans ta mère. Tu as vu? Parce que tu as fait mal beaucoup de ta mère. Tu as fait beaucoup mal de ton père. Tu as fait mal surtout ta mère. Il y a des gens qui sont fait plainte contre sa mère. Oh, il y a des gens comme ça. Toi, tu fais plainte contre ta mère. Plainte. Et tu appelles la police pour qu'il vienne de prendre ta mère. Toi. Toi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toi, tu appelles l'assistant social. Assistant social. Assistant social, toi. Tu vas appeler l'assistant social. Assistant social. Assistant social. Assistant social, toi. Tu vas appeler l'assistant social pour venir de prendre ta mère pour aller à la police, pour aller aux gendarmeries. C'est ta mère. Tu vas amener ta mère à la police. Tu vas amener ta mère à l'instance sociale. Pour que dire ta mère c'est mauvaise. Pour dire que ta mère c'est rien. Pour dire que ta mère c'est rien. Toi, tu penses quoi dans ta vie, toi? Tu penses quoi dans ta vie? Dans la tête, toi, tu penses quoi, toi? Toi, tu penses quoi dans la tête? Tu penses quoi dans la tête? Tu as oublié que le prophète Mohammed, il a dit, si tu veux la grima d'Allah, il faut rechercher la grima des parents. Tu as oublié le hadith, hein? Tu as oublié cet hadith du prophète. Tu as oublié le hadith du prophète, toi. Tu as oublié. Tu as oublié le hadith du prophète qui a dit, si tu veux la grima d'Allah, il faut rechercher la grima de vos parents. Tu as oublié ça. Si tu veux la grima de Dieu, Allah, il faut rechercher la grima de ta mère, la grima de ton père. Et tu traites mal ta mère, tu traites mal ton père. Après, tu vas dire, Allahumma rda anni, Allah donne-moi la grima, Allah fait, Allah, je fais quoi je, toi, quoi ça? Tu recherches quoi? Tu recherches quelle grima tu recherches? Si le prophète il a dit, recherche la grima de vos parents, si tu veux la grima d'Allah. Écoutez le hadith, le Qudsi. Comme ça, on va traiter le quatrième groupe. Écoutez bien et partagez ce message. Partagez, Allah il va vous questionner de ce message. Combien de délinquants sont traités mal de leurs parents? Combien de voisins qui traitent mal de voisins? Combien de gens qui sont fait n'importe quoi pour prendre la femme de voisin ou prendre le mari de voisin? Et toi, pourquoi tu écoutes ce message et tu ne partages pas? Allez partager le message.
partagez le message. Tu vas aider beaucoup de mamans à la maison. Elles sont fatiguées. Partagez le message. Peut-être leurs enfants, ils vont écouter. Peut-être leurs enfants vont écouter. Ils vont traiter bien les parents. Beaucoup de mamans sont fatiguées à la maison. Beaucoup de mamans, c'est triste à la maison. Ne mangent pas. Pas besoin de manger. Pas besoin de manger à la maison. Parce que les enfants, c'est dur. Les enfants sont traités mal, les parents. Parce qu'il va dire, c'est 18 ans. Il va dire, moi, je suis libre. Il va dire, je suis 18 ans. Il va dire, je suis majeur. Alors, que tu es majeur, alors, tu es majeur devant qui? Devant ta mère? Il n'y a pas de majeur devant ta mère. Et tu as oublié même ta mère. Elle est à âge de 90 ans. Elle ne mange pas toujours. Elle pense de toi. Tu as oublié? Même ta mère, 90 ans. Même ta mère, 80 ans, elle ne mange pas, elle pense de toi. Quand elle mange, elle pense de toi. Elle dit, oh, mon fils, elle a mangé ou non? Elle pense de toi. Elle pense de toi, oh, mon fils, elle a mangé ou non? Oh, ma fille, comment il est là-bas? Oh, ma fille, comment il est là-bas avec son mari? Oh, ma fille, comment la situation? Elle pense de toi. Et toi, tu vas dire, tu en as 18 ans, tu vas dire, c'est n'importe quoi. Tu vas dire, tu es majeur. Tu vas abandonner ta mère, tu vas abandonner ton père, et tu vas poser plainte contre ta mère parce qu'elle te dérange. Toi, écoutez le hadith al-Qudsi. Écoutez bien. Inna Allah jalla wa ala, ja'ala li kulli ibn Adam malika. Hadha al-malak. يدعو الله لك بالخير ما دامت أمك حي إذا ماتت الأم تقول الملك يا ابن آدم يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله يا ابن آدم ماتت أمك التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي écoutez bien حديث القدس écoutez bien chaque personne لا إله إلا الله écoutez bien chaque personne il y a des anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges. Il y a des anges spéciaux. Chaque personne, il y a des anges. Si ta mère, elle en vit, ta mère, elle en vit, pas mort. Si ta mère, elle en vit, pas décédée, elle en vit ta mère. Et cet ange, c'est spécial pour faire doigt chaque jour, 24 heures, sur 24 heures pour toi. C'est ange spécial. Si ta mère, elle en vit. Ta mère, elle existe, pas mort, pas décédée. Et cet ange, c'est spécial pour toi. Elle demande Allah, pour Allah. Il demande Allah. L'ange, il demande Allah. 24 sur 24. Il demande quoi? Il demande Allah, pardonnez-lui parce que sa mère, elle a envie. Allah, donne-lui la santé parce que sa mère, elle a envie. Allah, donne-lui bonne chance parce que sa mère, elle a envie. Allah, donne-lui bonne chance, bon travail parce que sa mère, elle a envie. Allah, protège-lui parce que sa mère, elle a envie. Elle demande de toi. Elle demande Allah pour te donner.
Ces anges spéciaux, 24 heures sur 24 heures, ils demandent à Allah pour te donner. Ils demandent à Allah pour te donner santé, bonne santé. Parce que ta mère, elle a envie. Parce que ta mère, elle a envie. Il demande à Allah, sa mère est en vie, donne-lui bonne santé. Allah, donne-lui bonne chance. Allah, protège-lui. Allah, donne-lui. Allah, protège-lui. Allah, facilite-lui. Allah, donne-lui bon mari. Alors, il demande. Et quand ta mère, elle a décédé, tu sais, quand ta mère, elle a décédé, et le ange, il va dire bye-bye. Cet ange, il va dire bye-bye. Depuis aujourd'hui, ta mère, il a décédé, moi, il n'y a pas de travail ici. Et moi, je rentre au ciel, parce que mon travail, je viens pour demander à Allah pour te faciliter, pour donner bonne chance, pour donner bon la vie, pour donner, parce que ta mère, elle a envie. Et ta mère, il a décédé, moi, c'est fini. Mon travail, c'est fini. Il partir, c'est fini. Il va dire, toi, fais bonnes actions. Comme ça, on va vous respecter de bonnes actions. Mais pour nous, pour faire doua tous les jours, 24 heures pour toi, non, c'est fini. Parce que ta mère, elle a décédé. Tu fais ça? Tu sais? À cause de ta mère, parce que ta mère, elle a envie, il y a deux anges, il fait doua pour toi, chaque jour, 24 heures sur 24 heures. Et toi, tu regardes ta mère et tu dis, je n'ai marre. Toi, tu regardes ta mère, tu dis, je n'ai marre. Toi, tu oublies cette hadith, le Qudsi. Et tu sais, le ange, il va dire quoi si tu traites mal ta mère, tu sais. Le ange, il va dire quoi? Il va dire, Allah, moi, je fais doua pour lui à cause de sa mère. Elle parle mal de sa mère. L'ange, il va réclamer devant Dieu. L'ange, il réclame. L'ange, il va réclamer. Il va dire, Allah, à cause de sa mère, la vie, c'est bien. À cause de sa mère, tu as facilité beaucoup de choses pour lui à cause de sa mère. L'ange, il va réclamer. Il va dire, Allah, moi, je fais doua pour lui à cause de sa mère. Et maintenant, elle traite mal de sa mère, et moi je vais laisser. L'ange, il réclame, il dit Allah, moi je laisse, je vais laisser le doigt. Je vais laisser de faire doigt pour lui, parce que moi je fais doigt pour lui à cause de sa mère. Et lui, il traite mal de sa mère, et il parlait mal de sa mère, il parlait n'importe quoi de sa mère. Il mange bien, et le congélateur se plaint avec sa femme, et tout se plaint, et sa mère n'a pas de manger. Et sa mère n'a pas de manger. Il mange bien, congélateur bien, et le frigo s'est rempli, et tout ça s'est rempli. Il mange bien, il est content, il paye la maison, tout ça c'est bien pour lui. Mais sa mère n'a pas de manger. Il y a sa mère, il y a des problèmes. Sa mère, elle a abandonné sa mère. Il a abandonné sa mère. Même pas des choses. Même pas pour demander à sa mère, oh maman, tu as besoin de quoi? Quand sa mère, elle demande quelque chose, il va le traiter, il va la traiter comme animal. Il traite sa mère comme animal. Il traite sa mère comme n'importe qui, comme les camarades. Il va voir sa mère comme les camarades. Même il y a des gens qui traitent bien les camarades par rapport à sa mère. Il y a des gens qui traitent bien les camarades par rapport à son père. Il y a des gens qui favorisent les amis. Il favorise les amis, il favorise les camarades plus que son père, plus que sa mère. Tu vas voir, il va parler avec son camarade avec respect. Avec respect avec son camarade. Avec sa femme, il va parler avec respect. Avec son mari, il parle avec respect. Elle parle avec respect. Mais devant sa mère, rien. Devant sa mère, rien. Comme animal. Il va traiter sa mère comme chien, comme animal. Après, tu vas dire, tu as besoin d'entrer au paradis. Quel paradis tu parles? Après, tu vas dire, Allahu Akbar, tu fais la prière. Tu vas dire, Allahu Akbar. Après, quand tu entres dans la prière, tu vas lire le Coran, tu vas dire, wa wassayna al-insana biwalidayhi. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَغْنًا عَلَى وَغْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وغنا على وهن
وفصال في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Et tu vas lire autre verset, tu vas dire وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Malheur à toi qui traites ta mère, qui traites mal ta mère. Malheur à toi. Malheur à toi qui traites mal ton père. Malheur à toi. Malheur à toi qui traites mal ta mère. Malheur à toi. Malheur à toi. Malheur à toi, plus que malheur. Tu vas penser que tu es musulman, toi. Tu vas penser que tu vas gagner beaucoup d'argent dans la vie. Tu penses? Non. Non, tu vas voir du châtiment. La vie sera difficile. Ta vie sera très difficile. Tu traites mal de ta mère. Tu manges avec ta femme. Tu manges avec les camarades et ta mère pour donner l'argent, tu dis je ne meurs et tu dis il va venir maintenant pour me déranger, toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu penses que la ville va sera bien? Non. Tu penses que tu seras bien avec ton mari? Non. Même beaucoup d'argent, tu vas voir. Même tu en as beaucoup d'argent, tu vas voir. Même tu en as bon travail, mais tu vas voir la vie. Il y a des anges spéciaux. Il y a des anges spéciaux qui font droit pour toi. Et toi, tu fais mal comme ça. Regarde les anges, comment il va faire. Comment il va faire. Regarde comment les anges, il va demander à Allah. Il va dire, Allah, c'est lui que je fais droit pour lui à cause de sa mère. Et il la traite mal comme ça, sa mère. Et tu penses que la vie, va sera bien, toi. Si ta mère, elle a décédé, faire droit pour ta mère chaque jour. Si ta mère, elle a décédé, fais droit pour ta mère chaque jour. Fais doigt pour ta mère chaque jour. Fais doigt pour ta mère chaque jour. Avant de sortir pour aller au travail, fais doigt pour ta mère. Fais doigt pour le paradis, Rabbi. Allah, donne ma mère le paradis. Allah, pardonne ma mère.
tous les péchés. Dis, Allah, pardonnez mon père, tous les péchés qu'il a fait. Allah, pardonnez mon père, tous les péchés qu'il a fait. Tu sais, ta mère, elle a fait beaucoup de péchés à cause de toi. Tu sais ça? Ta mère, elle a fait le zina. Ta mère, elle a fait le adultère pour gagner l'argent, pour payer l'école, pour payer la l'école, pour faire bien pour toi. Tu sais ça? Tu sais ça? Ta mère, elle a fait beaucoup de péchés à cause de toi. Ta mère, elle a fait beaucoup de péchés à cause de toi. Il a fait adultère, il a insulté les gens, il a fait n'importe quoi pour toi. Et maintenant, si ta mère, elle a décédé, tu sais, le péché, comment il va dire devant Allah? Il va dire à cause de toi? Non. Les âges vont dire non, tu as fait. Il va dire c'est elle qui a fait, c'est elle, c'est ta mère. Et toi, tu as oublié ta mère? Même le matin, tu ne fais pas le doigt. Même ce soir, tu dormis comme ça et tu ne dis pas Allah, pardonnez ma mère. Et tu n'envoyais pas le doigt, tu n'envoyais pas le doigt pour ta mère là-bas, à la tombe. Et tu as oublié ta mère, et tu dormis bien, et tu manges bien, et tu as oublié ta mère, et tu as oublié ton père. Toi, tu dormis bien, tu es tranquille avec ton mari, avec les enfants, voiture, et tu as oublié ta mère. Oh, malheur à toi, toi. Si ta mère est en vie, traite bien, aide ta mère. Fais bien pour ta mère. Et après, tu vas entrer dans la prière. Quand tu es entré dans la prière, et tu vas lire verset dans Sourate Luqman. Et tu vas dire, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Allah, il a dit, on a donné conseil les gens pour honorer leurs parents. Écoutez le verset. On a donné le conseil pour les gens. C'est ça le Coran. Pour honorer les parents, pour traiter bien les parents, pour aider les parents, pour régler tous les problèmes de leurs parents, pour régler le problème de sa mère et son père, pour payer la maison de sa mère, pour payer la maison de sa mère, pour acheter de sa mère, acheter manger de sa mère, pour acheter tout de sa mère. Allah a dit, ta mère, quand tu es dans le ventre de ta mère, elle est très fatiguée. Douleur. Plus de douleur et fatigue, plus de fatigue, chaque fois fatigue, chaque fois douleur. Matin, quand le bébé il commence de marcher, quand le bébé ça bouge dans le ventre, ta mère va dire oh le bébé à droite, oh il va appeler le docteur, oh le bébé dans le ventre, je pense que le bébé il a bougé mal. Warnin, fatigue dans le fatigue, c'est ta mère, fatigue dans le fatigue. Douleur dans la douleur. Douleur sur douleur. Fatigue et douleur. Tu as oublié. Depuis 2 semaines, vomir. Elle ne mange pas. Chaque chose, c'est mauvais pour elle. Chaque chose, l'odeur, c'est mauvais pour elle. Même son mari, elle a déjà abandonné son mari parce qu'elle ne veut pas pourvoir son mari parce que l'odeur c'est mauvais. Elle a abandonné son mari. Elle ne dorme pas avec son mari parce que l'odeur c'est mauvais. Elle n'aime pas même parfum devant. Même le manger, même pour manger le riz, même pour manger le riz, même pour manger le sauce, toute sauce, il va abandonner, il ne aime pas ça, ne mange pas ça, à cause de toi, parce que toi dans le ventre, à cause de toi, toi dans le ventre de ta mère, parce que toi dans le ventre de ta mère, l'a abandonné beaucoup de choses, ne mange pas, il a abandonné tout ça. Et toi, dans le ventre de ta mère, tu as oublié tout ça?
Et tu as oublié le temps de accouchement. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié le temps d'accouchement. Tu as oublié. Tu as oublié le temps d'accouchement. Tu as oublié. Quand le 9 mois, quand le 8 mois s'approche, quand le 8 mois s'approche, quand 8 mois et demi s'approche, quand le 9 mois s'approche, quand il commence les douleurs, ta mère, il vient de voir, tu viens déjà pour prendre ta mère pour aller à l'hôpital. Pour aller à l'hôpital. Tu as oublié tout ça. Et toi, tu as oublié tout ça. Ta mère pour aller à l'hôpital. Toutes les machines, tous les docteurs sont venus. Et toi, toi, tu es où, toi? Toi, tu es où? Tu as oublié tout ça, tu es où, toi? Et tu travailles? Et toi, 7 heures? Et toi, tu es où, toi? Ta mère, cette douleur pour aller à l'hôpital, pour l'accouchement. Et toi, tu es où, toi? Dans le ventre. Avec l'argent, là-bas? Non, pas de l'argent, toi. Avec de l'argent, là-bas, dans le ventre? Non, pas de l'argent, là-bas. Avec de l'argent, là-bas? Non, tu es dans le ventre, toi seul. Même pas de vêtements, toi. Même pas de vêtements, y a pas. Toi, y a pas de vêtements. Y a pas de l'argent. Pas de travail. Pas de femme. Pas de mari. Pas de mari, là-bas. Dans le ventre, pas de mari, pas des enfants, pas de femmes, pas de travail, pas de carte bleue, pas de carte bleue, pas de voiture classe, pas de voiture Honda, pas de voiture Mercedes, pas de 4x4 là-bas. Toi, tu es seul. Et tu sais, tu manges quoi là-bas dans le ventre de ta mère? Tu sais, tu manges quoi? Tu manges le règle, tu sais, règle? Le règle de ta mère. Le sang. Règle de ta mère. Tu sais, quand tu entres dans le ventre de ta mère, Allah, il va arrêter le règle. Ne sors pas. Le règle de ta mère, il va arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que le règle, il va transformer le manger pour manger toi dans le ventre. Toi, tu mangeais le sang de ta mère. Toi, tu mangeais le sang de règle de ta mère. À cause de ça, il n'y a pas de règle. Quand la femme enceinte, il n'y a pas de règle. Pourquoi? Parce que cette règle, le sang de règle, Allah, il va transformer le sang de règle pour manger. Et toi, tu vas manger de ça. Il vient de où? Tu vas manger de ça. Il va entrer ici dans le ventre. C'est pas dans la bouche. Dans le ventre. Il n'y a pas vu quand tu viens ici dans le monde, tu as vu? Les gens, ils vont couper. Tu as vu ça? Il y a quelque chose ici dans le ventre. Les gens, ils vont couper. Chose. C'est ça. Il vient le sang de ta mère. Il transforme de manger. Et tu manges ici dans le ventre. Toi, tu manges le sang de ta mère. Et tu sais le lait, il vient de où? Après l'accouchement, tu sais le lait, il vient de où? Le lait, pour venir ici de ta mère, il va donner le lait. Tu sais le lait, il vient de où? Il vient de sang de ta mère. Le sang de règle. Le sang de règle, Allah, il va transformer le sang de règle pour venir le lait de ta mère qui vient ici. Et toi, tu prendras le lait de ta mère. Ça, c'est le sang de ta mère. Tu as mangé le sang de ta mère dans le ventre 9 mois. Tu l'as mangé le sang de ta mère 2 ans quand tu es petite. Et tu as fait pipi de ta mère. Et tu as fait n'importe quoi de ta mère. Et ta mère, il a fait quoi? Il a résisté. C'est ça. Il prendra avec le couche. Il a changé le couche. Il a changé de quoi? Maintenant, tu es grandi, toi. Maintenant, tu travailles. Maintenant, tu en as de l'argent. Et tu en as de l'argent. Tu en as de force. Et toi, tu dis à ta mère n'importe quoi? Toi, tu as oublié, tu viens de où, toi? Tu as oublié, toi, tu viens de où, toi? Maintenant, parce que tu es grande, tu travailles avec voiture, avec carte bleue. Tu as trouvé un beau mari. Tu as trouvé bonne femme. Très belle. Très belle. Elle t'aime. Très
Elle est belle ta femme. Bon, classe. Et tu as oublié ta mère? Tu as oublié ta mère? Oh, Sayyidina l'Insan. بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين تي أوبليي لو لي دي تا مير تي أوبليي لو لي دي تا مير افيك فيتامين تي سي ميم لي ميديسين فون دير كي Le biberon, c'est pas comme le lait de ta mère. Tous les médecins vont dire ça. Parce que le lait de ta mère, avec vitamines, avec médicaments, regardez le lait de ta mère. 6 mois, première 6 mois, le lait avec couleur jaune. Regardez bien le lait de ta mère. Le 6 mois, premier, c'est pas blanc. Le lait de ta mère, les premières 6 mois, le lait, il y a un peu de jaune. Il faut de jaune un peu avec de l'huile. Tu sais, le huile avec de l'huile. Si tu regardes avec de l'huile, le lait de ta mère, le premier 6 mois, il y a de l'huile. Il y a de jaune. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est médicament. Ce médicament, il va entrer. Il va entrer toutes les places. Ici, dans le main, comme ça, il va entrer. Ici, dans le gorge. Ici, il va entrer dans le gorge. Ici, il va entrer ici, dans le colonne. Colonne, il va entrer ici. Dans le pied, il va entrer. Dans le pied, ici, il va entrer pour te donner la force. Comme ça, tu ne seras pas boule-boule. Comme ça, tu ne seras pas boule-boule. Comme ça, tu ne seras pas faible. Comme ça, tu ne seras pas n'importe boule-boule comme ça. Pour sera force. Et comme ça, le corps pour sera force. Ces médicaments de Dieu qui a donné ta mère. Ces médicaments de Dieu qui a donné ta mère pour te donner. Et tu ne sais pas, si ta mère ne donne pas le lait, il va sera le cancer dans le lait. Dans le place de lait. Si ta mère ne donne pas le lait, il a laissé le lait. Les premiers 6 mois, il a laissé comme ça. Il va gagner de problèmes. Parce qu'il y a des médicaments. Parce qu'il y a de l'huile ici, dans le lait. Il y a de l'huile spéciale. Médicaments pour les bébés. Médicaments pour les bébés. Médicaments pour les bébés. Il faut qu'il débarrasse. Il faut qu'il débarrasse ça. Sinon, il va gagner de problèmes. Des cancers ici. Il va gagner des cancers. Parce qu'il y a de l'huile. Il y a de médicaments spéciaux pour les bébés. Il a gardé. Il va se faire un problème. Il faut dégager ça. Ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Comme ça, tu vas se rendre forme. Tu vas serrer, mashallah, c'est très bien la forme. Et le visage sera forme. Et tu seras en forme. Quand tu tombes comme ça dans la terre, mais toujours tu es en forme parce qu'il y a des médicaments dans le lait de ta mère. Et tu as oublié de ça. Et Allah, il a dit, anishkurli. Remerciez Allah. Wali wali daika. Et vos parents, ta mère et ton père. C'est Allah qui a dit dans le Coran. Anishkurli, remerciez de moi Allah qui a créé le monde. Wali wali daika, et vos parents, remerciez vos parents. Ils ont fait beaucoup pour toi. Wali wali daika ilayya al-masir. Mets-toi avec ta mère, avec ton père, vous avez allé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, il a dit, wa in jahadaka ala an tushrika bi. Mais si ton père et ta mère, il était obligé pour obéir à Allah, pour faire des péchés, il faut dire non. Si ta mère ou ton père, il a dit, ou ton mari, ou ta femme, ou les enfants, quelqu'un qui a dit, faut faire des péchés pour obéir à Allah, il faut dire non. Le péché, non. Il faut dire non. Il faut dire le péché, non, astaghfirullah, maman. Le péché, il faut dire non, astaghfirullah, papa. C'est astaghfirullah et mon mari. Astaghfirullah, péché, non. Mes frères et sœurs, Allah il a dit, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidayn ihsana. Il faut faire bien pour les parents. Wa la taqul lahuma uffin, fala taqul lahuma uff. Uff. Même ne dis pas à ta mère. C'est Allah qui a dit dans le Coran, wa fala taqul lahuma uff. Même dire moi je suis fâché. Non. Je suis fatigué. Ne dis pas ça. Je n'ai marre, maman, tout le temps. Ne dis pas. C'est haram.
Oh là là, c'est haram. Oh, non, ne dis pas ta mère de ça. Non, 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 non. Calme. Respire. Mes frères et sœurs, il reste 3 minutes. On va arrêter maintenant. Il reste 3 minutes. On a déjà parlé de 3 groupes. Maintenant, on va parler le 4e groupe. Comme ça, on va arrêter ici. On va parler le 4e groupe. On va arrêter ici. Et le 3e groupe qui reste, on va terminer après-demain. On va terminer samedi, Inch'Allah. Ou après-demain, vendredi. Maintenant, demain, c'est langue comorienne. Demain, on va faire les leçons en langue comorienne, demain. Et après-demain, demain en langue comorienne. Après-demain, langue française. On va continuer. On a déjà parlé 3 groupes. Maintenant, on va terminer le 4e groupe. Et on va laisser les 3 groupes jusqu'à vendredi ou jusqu'à samedi. On va laisser jusqu'à vendredi ou samedi, Inch'Allah ta'ala. Et le 4e groupe, mes frères et sœurs. Le 4e groupe, mes frères et sœurs. Pour désobéir à Allah, non. Pour désobéir à Allah, non. Mais pour faire bonne chose, alhamdoulilah. Mais pour désobéir à Allah, non. Si ta mère, si ton père, il a dit pour désobéir à Allah, il faut dire non. Pour désobéir à Allah, non. Le 4e groupe, mes frères et sœurs, pour terminer, 2 minutes, 3 minutes, le 4e groupe. Addayous, l'ayat khuludjan. 4e groupe que Allah n'aime pas pour les voir le jour de Kiyama. Allah, même pour parler avec eux, n'aime pas. Si tu demandes pardon ici dans le monde, oui. Si tu demandes pardon, oui, Allah il va te pardonner. Mais si tu laisses, tu es mort. Avant de demander pardon devant Allah, et tu laisses cet acte, sera très difficile devant Allah. Il faut demander pardon maintenant. Le 4e groupe, c'est quoi? Addayouth. Tu sais Addayouth, c'est qui? Addayouth, c'est un homme ou femme. C'est un homme, c'est garçon. Mais il n'y a pas jaloux de sa femme. Il n'y a pas jaloux de sa fille. Non, il n'y a pas de jaloux de sa femme, de sa fille pour le haram. Non. Il y a ni sa femme. Il va faire tout le mal, mais il ne dit pas non. Sa fille, il va faire tout, mais il n'a pas dit pas non. Yani comment? Il va venir garçon à la maison, il va prendre sa fille, il va dire ses copains. Ah, quel copain? Il n'y a pas de mariage. Quel copain ça? Il n'y a pas de mariage, mais il va venir. Et maman, il va dire, oui, allez, allez, ton copain, il arrive là-bas. Oh, allô, la démocratie, oh, allô. Après, il va se traiter avec des hommes. Ah, il n'y a pas de mariage, toi? Il n'y a pas de nikah. Et tu seras avec les hommes? Et après, le maman, il va frapper, oh, applaudir, oh. Le maman, il va dire, applaudis, hey, applaudis, hey. Et le papa, il va dire, applaudis, hey. Après, le maman, il va dire, oh, ma fille, quoi? Ah, ton compère, il arrive là-bas, avec la voiture, allez préparer pour sortir avec lui. Pour sortir avec lui. Oh, pour sortir avec lui. Oh là là. Et toi, c'est maman ou c'est Dayous? C'est Dayous, là. Et toi, c'est ce vrai père, toi, c'est papa? Non, c'est pas papa, toi, c'est Dayous, toi. C'est Dayous. Dayous n'entrait pas au paradis, c'est le prophète qui a dit Dayous, toi. Et toi, même pas pour dire à ta fille, c'est haram. Pour dire à ta fille, c'est quoi? C'est qui? Tu ne dis pas. Et après, tu vas voir des bizarres, tu vas voir. Hein? Après, le garçon, il va venir à la maison, au salon. Et c'est ses copains. C'est pas mari. Non, c'est pas le mari, c'est copain. Il va venir au salon. Après, le maman, il va dire, oh, je vous laisse tranquille. C'est ça le maman qui va dire, je vous laisse tranquille. Parce que je n'aime pas pour vous déranger. Ya maman, toi, tu n'aimes pas pour déranger qui? C'est qui ça? C'est son mari? Non, c'est pas son mari. C'est copain de haram. C'est copain pour faire adultère. C'est copain pour faire les bisous des haram. Et tu vas dire, je n'aime pas pour vous laisser, je n'aime pas pour vous déranger. Et je n'aime pour vous laisser tranquille, comme ça, tranquille, tranquille. Après, le copain, il va dire quoi? Et le copain, il va dire, oh, ma copine, hein, ta mère, non, c'est pas ta mère, il va dire, oh, ma copine, hein, oh, ta daronne, elle est gentille, ta daronne.
Daron, elle est gentille, Daron. Quel Daron? Daron ou Darouon? Tada, astaghfirullah al-azim. Après, il va monter pour dire Tadaron, Tadaron, yani Daron. Après, son père, il va venir là-bas au salon, il va dire, ça va ma fille? Ça va. Et ton compère, c'est bon? C'est bon. Après, il va dire, allez, c'est bon. Et moi, j'entre à la chambre, et tu veux que j'amène un jus? Son père qui va dire, et tu veux que j'amène le jus? Oui. Après, il va aller prendre le jus pour donner le copain. Après, il va dire, et tu vas aller où ça va? Maintenant, tu vas aller où avec ta copine? Tu vas aller où avec ta copine? On va aller, oh, je sais pas, on va aller manger au restaurant. Oh, aller au restaurant. Après, on va dire qu'on va aller réviser. Ah, oh, tu vas aller réviser? Il va aller réviser avec ta femme, avec ta fille. Il va les réviser. Oh maman, c'est lui le garçon qui n'a pas de mariage. Il n'y a pas de mari à ta fille. Il va les réviser avec ta fille. Il va les réviser avec ta fille. Oh papa, il va les réviser. Ah, il y a des différences de réviser et révisation. Il va aller, elle va aller pour faire révisation. C'est pas réviser. Il y a de réviser. Il y a de révisation. Tu sais, révisation, c'est quoi? Il va se raffiser et tu vas... C'est difficile pour trouver ta faille. C'est très difficile pour trouver ta fille. Parce que c'est déjà fait révisation avec le copain. Après, il va se raconfiser. Confiser. Parce qu'il a fait les révisations. Il va se raffiser. Tu sais le fiser quoi? Le fiser. Fiser. Et toi, tu vas dire, oh ma fille, tu es où? Tu es où? C'est fiser. Transformer fisé. Oh, ma fille, moi, je sais pas. Oh, depuis 2 jours, je n'ai pas vu ma fille. Pas vu ta fille. C'est déjà révisation. C'est déjà fait la révisation. C'est déjà fait la révisation. Et toi qui as donné tout ça. Et toi qui as dit aux copines, allez, allez. Et toi qui as dit, allez. Et toi tu as dit. Parce que le copain, il a dit daron. Il a dit daron. Après, toi, tu fais n'importe quoi. Et toi, il n'y a pas de. Tu ne penses pas? Après, il va moquer de toi. Il va moquer de toi. Il va dire. Maman, mon compère l'a dit, c'est ma daronne, c'est très gentil. Quel gentil? Gentil de quoi? De pinet? Gentil de voiture? Toi, c'est gentil de voiture ou gentil de quoi? J'ai besoin de connaître ça. Yanni, ta fille, elle va moquer de toi? Ta fille, elle va moquer de toi? Et le copain de ta fille, il va moquer de toi? Et toi, maman de 30 ans? Et toi, maman de 40 ans? Et toi, maman de 50 ans? Et toi, papa de 40 ans? Il va moquer de toi? Il va dire que, oh papa, mon ami copain, il a dit que mon papa c'est gentil. Ah, il a moqué de toi de prendre ta fille pour aller faire adultère, pour aller faire le haram, pour aller faire le zina. Et toi tu vas dire, oui c'est vrai, il a dit ça. Après tu vas, oui c'est elle a dit ça. Ah oui, moi je suis gentil avec tous les gens, moi je suis gentil. Après les mamans, il va dire, c'est vrai. Et c'est vrai, ton compagne l'a dit comme ça, c'est vrai, et c'est vrai, quel c'est vrai, toi c'est vrai quoi, et tu penses que toi c'est gentil, c'est pas gentil ça, c'est pas gentil, non, ça c'est pas gentil ça, tu sais, dans la voiture il y a deux gentils, il y a deux pinés, ça c'est piné, c'est pas gentil, ça c'est piné. Il a fait toi comme piné. Il a fait toi comme piné. C'est pas gentil, c'est piné. Il a fait toi comme piné. Il est moque de toi. Il est moque, se moque de toi. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi. La hawla, je pense que c'est gentil de bicyclette. Hein, il a fait toi, c'est gentil de bicyclette. Gentil de bicyclette. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ça, mes frères et sœurs. Le quatrième groupe, comme ça qu'on va arrêter ici. Le quatrième groupe, c'est les responsables, le papa, le maman qui ne regardait pas. Yani sa femme, il va faire n'importe quoi, il n'a pas dit c'est non, c'est pas bien, il va dire non. Et sa femme, il va aller avec des hommes, mais lui non, ne dit pas non, tu as vu ça? Oui, il y a déjà comme ça, astaghfirullah al-azim. Tu as vu, il y a des gens, il va venir, il va prendre sa femme pour danser avec sa femme, pour faire le zouk love avec sa femme. Après, il va faire, ouais, oh ouais, ah, quel ouais. Toi, c'est Dayous, toi. Ta femme, il n'y a pas de jalousie de ta femme. Toi, tu vas entrer dans l'affaire, ouais. C'est le prophète qui a dit ça. À Dayous, tu vas entrer dans l'affaire, pas de jalousie de ta fille.
qu'il a fait n'importe quoi et tu dis non. Et pas de jalousie de ta femme, que dit ta femme, laisse ça, mais tu vas dormir toi. Et il va venir garçon, garçon qui va venir, il va prendre ta femme. Et toi, tu vas dormir à la maison, tu vas garder le bébé. Toi, tu gardes le bébé. Hein? Tu vas garder le bébé et ta femme, il va aller dans le zouklov avec autre garçon. Oh, ou toi, tu es dans le zouklov. Après, il va venir un garçon, ses camarades de toi, ses camarades, il va venir. Il va dire que, oh mon ami, tu passes-moi ta femme. Hein? Quel garçon toi? Tu passes-moi ta femme. Pourquoi il passe ta femme? Il va dire, passe-moi ta femme parce que j'ai besoin de faire zouklov. Ah, il prendra ta femme pour faire le zouklov. Après le poitrine, avec le poitrine de ta femme. Ta femme, tu laisses ta femme avec autre personne. Poitrine et poitrine, pied et pied et zouk et zouk, zouk, zouk. Et toi, tu dis, toi, tu es l'homme. C'est pas l'homme toi, toi, c'est pédé. Désolé, parce que c'est pédé, c'est grave, mais c'est pédé, toi. Oui, c'est grave, wallah l'azim. Les garçons qui sont fait ça, c'est pédé, là. Les garçons qui sont laissés sa femme, pas de jalousie, et donnent sa femme de n'importe qui, pour faire zouk zouk avec elle, pour danser avec elle, et douk 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 douk, après tu regardes ta femme comme ça, tu regardes ta femme, et tu regardes, et après tu applaudes, tu applaudes. Tu applaudes à ta femme. Tu applaudes à ta femme. Et il a caché. Il a la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Non, garçon, c'est pas comme ça. Garçon, il faut des jalousies de sa femme. Garçon, il faut des jalousies de sa femme. Mais toi, tu laisses ta femme, il fait n'importe quoi, il vit avec des hommes, dormir. Même, il y a des hommes. Astaghfirullah al-azim. Il y a des hommes, il y a des hommes. Yani sa fille, il va se raccommoder. Tu sais le zombilo. Dans le malgache, ils ont dit zombilo. On va arrêter ici maintenant. Mais dans la langue malgache, il y a quelque chose qui s'appelle zombilo. Tu sais zombilo, c'est quoi? Zombilo, c'est une femme qui va aller dormir avec les hommes. Il va aller dormir avec les hommes, tout ça. Et le garçon, il va rester à la maison. Il va dormir à la maison. Après, la femme, il va mener l'argent. Après, quand il a mené l'argent, le garçon ne demande pas. De vient où? Il vient où? De où de faire l'argent? Non, ne demande pas. Le garçon, il va dire, amenez, amenez. Ne demande pas. De vient où? Parce que tu ne travailles pas. Et il vient où de l'argent? Non, mais le garçon ne parle pas. Le rajat, c'est tout ça. C'est devient... Non, 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 c'est pas son problème. C'est pas son problème. Le important, sa femme, il va mener l'argent. Il va dormir avec 10 personnes, il va mener l'argent. Il va tuer 10 personnes, il va mener l'argent. Il va vendre la drogue, il va mener l'argent. Seulement, le garçon, il va rester à la maison comme ça. Il ne sort pas. Il va rester tout. Et sa femme, il va venir avec l'argent. Après, il va voir le téléphone. Il va voir le téléphone. Ça sonne du matin. Ça sonne. Ces garçons, il y a des hommes qui va appeler sa femme. Oui, chérie. Après, il est dormi. Mais il est tranquille. Il va dire, ça va. Le papa et son mari, il est tranquille. Dormir. Et sa femme, il parle avec les hommes. Avec le rendez-vous. Demain, il va rencontrer un homme. Il va faire le haram. Il va dormir avec lui. Il va faire je sais pas quoi. Il va faire... Mais lui, garçon, c'est n'importe quoi. Le garçon, c'est n'importe quoi. Seulement, il va rester à la maison. Oui. Sa femme va donner, ne demande pas. Deviens où l'argent ça? Et toi, tu ne travailles pas. Pourquoi tu amènes 4000 euros dans la maison? Et tu travailles où? Deviens où de l'argent ça? Non, ne demande pas. Non, important, l'argent seulement. Il ne demande pas. Tu as fait quoi ça? Tout l'argent, tout. Non, ne demande pas. Sa femme, il va donner. Après, il va dire oui, merci. Merci. Non, ça c'est Dayous. Dayous, il n'y a pas de jalousie de sa femme. Dayous, il n'y a pas de jalousie de sa fille. C'est ça le quatrième groupe. Le temps c'est fini, mes frères et sœurs. Et je vous remercie beaucoup, mes frères et sœurs. Je vous remercie beaucoup parce que je suis content. Parce que, alhamdoulilah, j'ai déjà fait effort en langue française, machallah. J'ai déjà fait effort. Et moi, je reste pas pour programmer. Quand je fais le daras en français, il n'y a pas besoin de préparer. Non, non. Moi, je commence bismillah. Allah, il facilite directement. Alhamdulillah. Quand je commence bismillah, Allah, il facilite la langue française. Il va venir directement. Allah, il facilite. Alhamdulillah. Et je remercie Allah qui a facilité. Comme ça, je parle avec vous en langue française. Et je remercie ma femme qui a...
qui a aidé beaucoup. Je remercie Allah qui a facilité maintenant ces 3 ans. J'ai déjà commencé, alhamdoulilah, à comprendre la langue française. J'ai déjà commencé à faire le dar, ça vous avez compris bien, alhamdoulilah, français, alhamdoulilah. Même il y a des erreurs un peu, ça c'est normal, parce que je ne suis pas Molière. Moi, je ne suis pas Molière, moi. Il faut des erreurs un peu, parce que moi, je connais beaucoup de langues, alhamdoulilah. Je connais arabe, je connais portugais, je connais anglais, je connais sawahili, je connais indien. Je connais beaucoup de langues. Ça veut dire, si vient quelqu'un, il connaît langue française bien, il va dire, cher, tu parles mal en France. Et toi, tu connais beaucoup de langues, toi? Tu connais pas, tu connais langue française seulement. Et moi, je connais 5 langues ou 7 langues. Je connais 7 langues. Si je fais un peu d'erreur en français, mais moi, je connais beaucoup de langues par rapport à toi. Il faut remercier Allah parce que, alhamdoulilah, je déjà connais, alhamdoulilah, je parle avec vous en langue française. Et tous les gens qui sont besoin de comprendre, sont comprendre. Mais les gens qui ont des moustiques dans la tête, les gens qui ont les moustiques de la tête, ils vont dire, mais le calculeur, mais le mathématique, le vocabulaire, quel vocabulaire? On n'a pas besoin de vocabulaire, on a besoin de comprendre le message, et le message ça passe bien. Merci beaucoup mes frères et sœurs, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, je remercie ma femme qui m'a donné, qui m'a aidé beaucoup pour connaître, pour comprendre la langue française, et je remercie, mashallah, et merci beaucoup. Et demain, la langue, il va sera le daras en langue comorienne, et le troisième partie, parce qu'on a commencé le premier partie avant-hier en langue française, aujourd'hui c'est le deuxième partie. On a parlé de 4 groupes, il reste le 3 groupes, il reste 3 groupes. La suite, c'est très important. Suite, la suite, c'est très 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 important. Là, les 3 groupes qui restent, on a parlé 4 groupes, il reste 3 groupes. On va parler vendredi, inshallah ta'ala. Vendredi ou samedi, on va prendre le deuxième partie, vendredi ou samedi. Mais demain jeudi, à 19h, le Darasa, les secrets cachés, partie numéro 20, les secrets cachés, conseil de Luc Manu al-Hakim et les choses de Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab et tous les Sahaba et tous les prophètes. On va parler demain à 19h en langue comorienne. Demain à 19h. Mais demain à 14h, il y a 2 messages de 30 minutes seulement. Ces messages très importants en langue comorienne, et je vous envoyer un message spécial pour la religion de Washili, surtout à la ville de Kwambani et la ville de Iroge et la ville de Bweni Washili. Et je fais envoyer un message très important, parce que si tu as vu quelque chose qui va faire bruit, et le musulman, il va faire confusion, il faut arrêter. C'est ça, le cher, et moi, je suis cher. Et alhamdoulilah, si les gens m'insultent, moi, c'est pas de problème, c'est rien. Mais si j'ai déjà vu quelque chose qui va faire la guerre, il faut que je donne conseil. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de jeunes sont chauffés. J'ai déjà vu des villes sont chauffées, sont besoin d'aller de ramasser, sont besoin d'aller de faire des bruits. J'ai déjà vu, et moi j'ai déjà calmé les gens. Il y a des gens qui sont choqués, qui sont nerveux. Surtout, sont choqués, sont nerveux. Et moi, je connais bien les jeunes de Mtsamdou. S'ils sont dire, ils vont faire. Je déjà connais. Ils sont déjà faits. Et beaucoup de jeunes sont nerveux. Ils ont besoin d'aller pour massacrer. Et il faut que je fasse message demain pour calmer la situation. Et demain, je vais faire message pour parler avec la religion Washil. Parce que la religion Washil m'aime beaucoup. Il faut que j'envoie le message. Parce qu'ils sont préparés le vendredi pour faire des problèmes là-bas. Il faut ramasser là-bas. Et moi, je vais vous dire, non, calmez-vous. Il faut que je fasse le message demain à 14h pour envoyer pour tous les chers que le vendredi, après le vendredi, là-bas, Washil, calmez-vous tranquille. Parce que moi, alhamdoulilah, moi, je suis tranquille. Si quelqu'un m'insulte ou parle mal, pour moi, non, c'est pas un problème. Et je vous donner les jeunes calmés parce qu'ils sont choqués là-bas. Ils m'appellent, ils sont dit, cher, on attend l'ordre pour faire le Non, calmez-vous. Inna Allah ma sabirina. On a besoin de calmer les gens. Je suis cher. Et moi, j'ai habitué beaucoup de choses. Si quelqu'un m'a insulté, quelqu'un m'a parlé, c'est ça, c'est la vie. C'est pas difficile. Hein? La vie, il faut déjà qu'ils vous t'aiment et les gens qui vont. Ils ne peuvent pas insulter. C'est ça la vie. Même prophète Mohammed Sallam, prophète, c'est ça. Même prophète. Il y a déjà qui aime prophète, il y a déjà qui n'aime pas prophète. C'est ça. Il y a des Abu Jahal, il y a des Abu Lahabi, il y a des Firaouna ou Hamana. C'est ça tout le temps. Il y a des Hamana, il y a des Firaoun. Il faut que je fasse calme. Et je fais le geste de que je suis cher. Il faut beaucoup de iman, beaucoup de courage. Et je fais un message demain et message pour calmer.
Parce que la situation c'est grave. Il faut que je calme. Parce que si je ne fais pas le message, il va se faire un problème. Vendredi, je sais bien que si je ne fais pas ce message à demain pour parler le cher de région Wachil et parler les notables de Wachil et parler surtout les jeunes de Wachil, surtout Mtsamdou, il va se faire un problème vendredi. Et moi, je sais bien, il va se faire un grand problème vendredi. Tout. Il faut attendre. Il faut que je fasse le message demain pour calmer. Calmez-vous. Et j'ai envoyé ce message tout là-bas. Il va voir, parce que là-bas, il y a d'Internet. Il va voir tout là-bas. Il va se rendre en place publique. Il va voir le message et j'ai calmé la situation. On a besoin de iman. On a besoin de subra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci beaucoup, mes frères. Merci beaucoup, mes soeurs. Rendez-vous à la troisième partie en langue française. Après demain vendredi ou samedi inshallah ta'ala wa barakallahu fikum et je demande à Allah pour protéger ma fille Soumaya et je demande à Allah pour protéger mon fils que je vais annoncer le nom après, je vais annoncer le nom le septième jour, je demande à Allah pour protéger mes enfants et ma femme et je demande à Allah pour nous protéger tous ensemble et je demande à Allah pour vous protéger, je demande à Allah pour vous protéger, on a besoin de iman, si tu as vu quelques bruits il faut calmer la situation, même on a raison mais il faut calmer la situation parce que le fitna, c'est fitna. Il faut que nous calmions la situation. Beaucoup de courage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.